Are you listening? J'adore ce vin. 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 J'aime terriblement ça. Ce vin, les Cailloux 2017, de chez Florent Barichard, les terres d'ocre. Pinot noir, comme chez nous à Sancerre. Je devrais dire que je ne devrais pas l'aimer, mais c'est extraordinaire. À chaque fois que j'ouvre une bouteille avec les copains, elle est bue au bout de 5 minutes. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et j'aime ce vin aussi, par sa... C'est un pinot noir plutôt gouléant, mais à la fois épicé, et sur des notes de fruits noirs. Et j'aime ce vin aussi, car c'est Florent. Et Florent Barichard, c'est un vigneron de Sapourcin, pour moi, qui est en train de faire des choses magnifiques. Et rien que pour lui, et puis pour l'appellation Sapourcin, je trouve que c'est une très belle appellation, avec le Tressalier aussi. Rien que pour lui, pour l'appellation, et puis surtout pour les Cailloux 2017, bravo, et vive Sapourcin, vive Florent Barichard. J'adore ce vin. J'adore ce vin. J'adore ce vin. Pierre Martin, vigneron à Chavignolles, appellation Sancerre, donc principalement de cépage Sauvignon pour le vin blanc, et un petit peu de Pinot Noir pour faire des rouges et des rosés. Ici, on se trouve dans ma petite cave à fût pour l'élevage des culs de Beaujeu, en partie, et puis un peu d'élevage de Mondanée, et puis le tonneau là qui se trouve devant moi avec la belle pierre, le beau calcaire, c'est le cul d'année 2018 qui est encore en élevage, et que je vais soutirer dans une semaine, quand je vais mettre soit du nouveau cul d'année, mais je pense pas cette année, en 2019, je pense que je remettrai du cul de Beaujeu dans le cul qui a servi au cul d'année, voilà. Donc c'est une cave à fût qui a servi à l'époque à mon grand-père, mon arrière-grand-père, et donc il faut quand même garder un peu cette atmosphère. Il y a plein de gens qui, dans les caves à fût, ils ne font plus rien, mais moi je mets des fûts parce que c'est une cave à fût, voilà. J'adore ce vin. J'aime terriblement ça. J'adore ce vin. Damn.